parti Conscience et Action citoyenne de l'ancien ministre Florentin Moussavou invite le monde médical et scientifique à s'approprier le débat public et pour rassurer les populations sur le niveau de prise en charge. Edgar Djebidoukaga et Eric Mokoko pour le compte-rendu. Parti de la majorité présidentielle, Conscience et Action citoyenne de l'ancien ministre Florentin Moussavou s'invite aux appels à la prise de conscience face au Covid-19. Pour lui, il faut céder le débat au monde médical et scientifique. Nous avons noté avec intérêt que le gouvernement s'est exprimé et a pris des mesures de sauvegarde. Nous avons noté aussi la gravité avec laquelle le chef de l'État lui-même est passé à la télévision pour nous dire ce que la situation lui imposait de prendre comme décision. Mais il y a aussi et surtout les scientifiques, donc les médecins, les chercheurs, ceux-là qui ont donc l'autorité nécessaire pour nous dire, pour nous traduire, pour nous expliquer et pour nous convaincre des comportements que nous devons afficher. Et pour nous convaincre également de ce qu'il convient de ne pas faire. Le président de CAC lit les mesures barrières décidées par le gouvernement à une autodiscipline qui pose encore problème dans la population. Face à cet ennemi, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est d'écouter, de respecter, de suivre les décisions s'inscrivent dans les mesures gouvernementales. Il y a aussi notre adhésion, l'adhésion citoyenne, dans l'autodiscipline. Aussi longtemps, nous courons le risque d'être frappés plus durement que les autres. Conscient de l'état économique du pays, Florentin Moussavou encourage les hautes autorités gabonaises à créer des conditions utiles, susceptibles de soulager les opérateurs économiques, les travailleurs du secteur informel et surtout les ménages, déjà heurtés par le confinement partiel.